Bonjour à tous. Avant de commencer cet épisode, je voulais d'abord vous remercier pour votre soutien. Vous avez été nombreux à partager, à liker et à commenter Paroles de Yogi, donc ça me fait vraiment chaud au cœur. J'ai vraiment hâte que vous découvriez cette deuxième édition où je mets à l'honneur Anna de la chaîne YouTube La Classe Sauvage. Anna est comme moi une jeune professeure et j'avais à cœur de lui donner la parole. Nous abordons pendant les prochaines minutes à la fois son travail sur YouTube, mais également dans les studios parisiens, ainsi que la difficulté de proposer des home pendant les cours, ou encore l'image du yoga sur Instagram. Vous découvrirez Anna à travers tous ces sujets, authentique comme toujours, et bien consciente qu'elle est la reine des paradoxes. Bonjour Anna. Bonjour Laura. Merci de me recevoir ici, dans les studios de Épisode. Pas de soucis. Très gentil, juste après ton cours, c'était un vrai délice. Nous, on s'est rencontrés quand? On s'est rencontrés pendant notre formation de yoga ensemble, chez Samyak. Depuis, oui. On a beaucoup échangé, on se connaît bien. Pour moi, t'es loin d'être une prof étrangère. Voilà, on se connaît très bien. Et pourtant, il y a plein de questions que je t'ai jamais posées. Et notamment, la première question, on rentre directement dans le vif du sujet. C'est parti. On enchaîne. Comment est-ce que tu as découvert le yoga? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Je crois, comme la plupart des gens qui aiment le yoga, j'ai rencontré le yoga parce que j'étais à un stade de ma vie où ça allait pas. C'est hyper bizarre et paradoxal, parce que souvent, on vient vers le yoga quand ça va pas. Et après, oui. On ressort, ça va mieux. Mais... J'ai trouvé le yoga comme ça, j'étais un petit peu pas bien dans ma peau, j'avais vécu une relation un peu difficile, donc je me remettais doucement et j'avais besoin de me recentrer, de me retrouver. Et en même temps, j'étais un petit peu rebutée par l'idée que le yoga, ça peut être un peu pour les mamies. Tu sais, cette espèce de cliché que tout le monde un petit peu a quand on n'est pas du tout initié, tu vois, on se dit c'est un cliché que tu avais. Ouais, c'est vraiment typiquement un cliché que j'avais. Je me suis dit, bon, c'est lent, c'est ennuyeux, machin. Et en fait, j'ai découvert, moi, le yoga sur Internet. D'accord. Donc, par des vidéos, notamment américaines, et je suis tombée folle amoureuse tout de suite, en fait. Dès la première vidéo, je me suis installée dans mon salon, je me suis sentie ridicule, j'étais en pyjama, enfin voilà, j'étais « qu'est-ce que je fais là ?» Et j'ai suivi la vidéo et ça a été juste une révélation. J'ai juste bougé mon corps, respiré, m'écouter. Bah évidemment, j'ai fini la séance en pleurs, quoi. Parce qu'il y a des choses qui se sont révélées. Ouais, ça s'est vraiment ouvert à l'intérieur de moi et depuis, j'ai plus du tout lâché. Ça a été vraiment addictif. J'ai essayé de prendre des cours, parce que j'habite à la campagne, chez mes parents. Donc j'ai essayé de prendre des cours dans la ville à côté. Et j'ai pas aimé parce que c'était pas... Il y avait beaucoup d'habitués, c'était beaucoup des gens qui avaient pas trop ma tranche d'âge, 45, 50 ans, c'était très lent. Et j'ai trouvé que c'était... Je me suis sentie exclue en fait de ça. Du coup, je suis revenue à la pratique par Internet et j'ai tout appris toute seule. D'accord. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait pour moi. Toute seule dans mon salon avec mon legging troué et mes vidéos, voilà. Et du coup, c'est quand même hyper intéressant ce que tu dis là parce que très souvent, j'entends autour de moi des professeurs ou des gens qui peuvent dire « Les vidéos de yoga sur YouTube, ça suffit pas, c'est pas une arnaque, mais voilà, les gens le voient comme une tromperie. » Ouais. En tout cas, parmi les profs de yoga, et toi, c'est ça qui t'a amené, et c'est ça qui a été vraiment révélateur pour toi, oui. Voire mieux que des cours à côté. Comment tu peux expliquer cet effet, en fait, sur toi? Moi, je pense que j'ai un petit côté casanier. Moi, j'aime bien être chez moi, j'aime pas trop quand il y a beaucoup de monde, et qu'il faut un petit peu faire le show, tout ça. Je suis un peu timide, en fait. Et je pense malgré que c'est ta formation de comédienne. Malgré ma formation comédienne, mais ça tu sais, tous ces paradoxes de la vie. Mais oui, je suis quelqu'un d'un petit peu réservé. Et donc j'aimais bien cette idée d'être chez moi et de progresser à mon rythme. Il y a aussi l'idée que j'aime pas rater, j'aime pas échouer, j'aime pas me sentir en échec. Et donc je me disais que comme j'étais un peu fragile à cette époque-là, au moins si j'échoue, bah c'est pour moi, c'est que pour moi, et j'apprends toute seule de mes erreurs et j'ai pas de public. Comme ça, je suis tranquille avec moi-même. Il y avait une pression en moi. Une pression en moi, c'est exactement ça. Le regard des autres, etc. Ouais, ouais. Et je pense que les gens qui pensent à raison que effectivement une pratique par internet tout seul c'est pas suffisant. C'est vrai, mais c'est aussi une porte ouverte sur quelque chose. Je pense pas que j'aurais mis les pieds dans un studio de yoga sans ça. Faut le prendre comme quelque chose, un bonus, quoi. Quelque chose de super. On y a accès chez soi. C'est gratuit ou presque. Et on a la possibilité de s'initier à quelque chose qu'on aurait peut-être pas essayé sinon.
D'accord, et du coup, moi je trouve ça assez fou parce que je connais ton parcours. Après ta formation de yoga, tu as ouvert une chaîne YouTube dédiée justement au yoga et où tu partages des cours d'environ 20-30 minutes, un peu plus long des fois. Justement, tu as voulu entrer complètement dans cette brèche-là. Ouais, pour moi, c'était une suite logique. Enfin, Internet m'avait donné ça, j'avais besoin de rendre ce qu'on m'avait donné, j'avais besoin de continuer ça. Et c'est pour ça qu'en ouvrant la classe sauvage, j'avais vraiment envie, en plus rien que par le nom, de montrer que on se prend pas au sérieux, on se prend pas la tête, on est juste là pour essayer d'ouvrir des petites fenêtres à l'intérieur de soi et de distiller comme ça un peu de bonheur, un peu de plaisir et un peu de corps aussi dans sa vie, quoi. Avant, du coup, de démarrer ta chaîne YouTube, il a fallu te former, parce que tu disais que tu t'étais formée seule dans ton salon. Moi, je sais que c'est pas vrai, que tu t'es aussi formée, donc, comme Émilie, précédemment dans le podcast qu'on a entendu, et puis comme moi également, avec Samia, que c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Pourquoi cette formation? Pourquoi te former d'abord? Moi, j'aime beaucoup la pédagogie et la transmission. C'est des choses que mes parents ont dans le sang aussi, donc je pense qu'il y a une question d'éducation, mais quand moi j'aime quelque chose, j'ai énormément de plaisir à le transmettre. Donc pour moi c'était une suite logique, comme la chaîne YouTube, c'est vraiment un désir de transmission. Même si je sais que mon savoir est pas infini en matière de yoga, j'ai appris énormément grâce à Samia, c'est vraiment une formation que j'ai adorée. Je me suis découverte aussi. Et comme je suis convaincue qu'on apprend toute sa vie et qu'on grandit toute sa vie, je suis convaincue que la transmission, c'est quelque chose d'hyper important. Il faut pas garder les choses pour soi, il faut s'ouvrir, il faut aller en parler et initier les gens. Et comme moi, ça m'a fait beaucoup de bien, j'avais envie de faire du bien autour de moi. Ton parcours est en fait hyper linéaire, hyper logique. Pour moi, je trouve ça logique aussi, ouais, c'est vrai. Et du coup, à côté de cette chaîne YouTube, tu as commencé à lancer tes cours. Ouais. Est-ce que ça s'est lancé tout de suite? Moi, j'ai passé sur un épisode, peut-être qu'on a tous ressenti une fois la fin de notre formation de yoga. Quand est-ce qu'on arrive à se lancer? Quand est-ce qu'on se sent légitime? Et est-ce que toi, après un an maintenant d'enseignement, est-ce que tu es au clair avec ça maintenant? Pour être honnête, non, pas vraiment. J'ai mis beaucoup de temps à me lancer. J'ai vraiment eu du mal. Je repoussais toujours le moment. Sur YouTube, c'est pas pareil parce que pour moi, c'est un plaisir. Donc, et puis, j'ai pas mon public en face de moi. Donc, du coup, c'est juste, je lance des bouteilles à la mer, comme ça. Mais l'enseignement en studio, ça a été difficile. En plus, j'ai été confrontée à des expériences pas forcément bonnes. J'ai rencontré le milieu du yoga parisien et j'ai été un petit peu décontenancée. Je m'attendais pas à ça. Donc j'ai mis du temps à me lancer et encore aujourd'hui, j'ai pas tout à fait l'impression d'être légitime. D'être légitime. D'accord. Et est-ce que ça a été entamé par justement ces expériences pas très agréables? J'imagine que quand on a voilà, on se prend de plein fouet la réalité en face, c'est-à-dire le yoga, c'est pas les bisounours, c'est les profs entre eux, sont pas forcément très très cool. Ouais. Qu'est-ce qui a émergé là-dessus et comment t'as réussi à peut-être guérir un petit peu les blessures qui sont liées à ça, quoi? Bah oui, c'est vrai que ça a été dur de se prendre un peu des claques et des désillusions. Ça reste un business, donc il y a de l'argent en jeu. Quand il y a de l'argent en jeu, qu'il faut manger et qu'il faut se faire un nom, c'est toujours difficile de toute façon. Donc ouais, ça a été difficile. Comment j'ai guéri? Ben, en rencontrant des personnes géniales, en entretenant des relations comme celles qu'on a toutes les deux, enfin des gens qui sont restés authentiques, honnêtes, qui ont envie de transmettre, qui ont envie juste de vivre de ça, d'une passion, de quelque chose qui les anime. Ça, c'est ce qui me fait rester et ce qui me donne envie. Et il y a aussi le retour des élèves, parce que les élèves qui viennent, quand ils ressortent et qu'ils me disent « merci beaucoup, c'était super, je me sens mieux, je me sens bien », ça me nourrit, ça m'enflamme. Enfin, moi, je pourrais conquérir... conquérir le monde. T'es motivée, en fait, parce qu'on se sent utile, en fait. C'est ça. C'est ça, ouais. Fabuleux dans ce métier, qu'il y a un retour négatif ou positif, au final, on s'est senti utile d'une certaine manière. Tout à fait. C'est ça qui est fabuleux. Ouais. Comment justement est-ce que tu réussis à allier à la fois l'authenticité et les messages que tu veux transmettre et ce qu'on te demande de faire,
le besoin de manger, le besoin de voilà d'être aussi vu pour pouvoir manger. Tout ça, c'est quand même hyper particulier pour l'ego, pour plein de choses. Ouais. Comment toi, tu le gères ? Bah, c'est quelque chose que j'ai compris récemment, parce que j'étais partie sur une lancée où j'envoyais des candidatures partout, j'essayais de tout faire en même temps, d'avoir beaucoup de cours et d'être rentable. Voilà. Il n'y a pas le choix, des fois. Il n'y a pas le choix. Et en fait, je me suis épuisée, quoi. Je suis vraiment arrivée à un point où j'avais pas du tout envie d'y aller. Je rentrais chez moi, j'étais crevée, je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais aucune motivation. Et j'ai compris que c'était trop. Donc voilà, ça a été un déclic en moi aussi. Le yoga, c'est toute une histoire de déclic, hein, finalement. Tout le temps. Mais voilà, donc j'ai réduit mon planning, donc je gagne ma vie, on va dire, raisonnablement. Je roule pas du tout sur l'or, mais je peux manger. J'ai un toit, bientôt. Bientôt, ça y est. Ouais, ouais. Et donc voilà, moi ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Donc je pense que l'essentiel, c'est de s'écouter, même par rapport aux choses que peuvent nous imposer les studios, des contraintes de musique ou d'environnement ou de rythme. Faut aussi savoir prendre du recul et se retrouver à l'intérieur de ça. S'écouter et savoir dire non. Ça, c'est quelque chose que j'apprends aussi en ce moment. Savoir dire non, faire confiance aux bonnes personnes aussi. Moi, ça, la confiance, j'ai tendance à la distribuer comme ça. Allez, c'est parti. Et du coup, oui, je me prends pas mal de baffes, mais bon. Oui, c'est ton tempérament, de toute façon, d'être un peu fonceuse et de voir ce qui ouais, va se passer. Je pense, ouais, ouais. Et du coup, le yoga, c'est quelque chose qui t'amène un petit peu dans la conscience de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Justement, ouais. C'est ça qui doit particulièrement faire du bien. Toi, t'es un peu, tu bouges beaucoup, hein. Les gens te connaissent pas, mais moi, je te connais. Tu bouges beaucoup, tu fais rire tout le monde sur ta chaîne YouTube. Enfin, voilà. C'est vraiment, tu donnes du bonheur, tu donnes beaucoup. Et maintenant, c'est, là, ce qui est en train de se passer, visiblement, c'est comment tu reviens vers toi. Ouais. Et tu me parlais un petit peu aussi, on voyait autour de nous pas mal de gens qui avaient fait une formation de restauratif, là, très récemment. Ouais. Et tu me disais que c'est quelque chose qui commençait à poindre le bout de son nez de ton côté aussi. Quelque chose pour se faire du bien. J'ai des frissons rien que d'en parler. Parce que c'est vrai que c'est, enfin, on a des périodes de notre vie comme ça, on n'est pas forcément, on évolue, quoi. Et en ce moment, je sens les choses qui sont en train de s'enclencher à l'intérieur de moi. Et effectivement, revenir à soi, s'écouter et ralentir le rythme, peut-être, au profit d'une, voilà, pourquoi pas d'une énergie nouvelle, mais c'est quelque chose qui me parle énormément en ce moment et que j'apprends. J'adore apprendre et donc c'est chouette. Avec le yoga, on apprend, mais de plein fouet en plus. Tout le temps. Et du coup, comme je te le dis, avec le yoga, on apprend de plein fouet. Moi, j'ai une petite question. Quel est ton souvenir et ta leçon la plus marquante sur le yoga, au final ? C'est peut-être un peu bateau, mais c'est le cours que j'ai donné en guise d'évaluation pour terminer la formation chez Samyak. On devait préparer chacune un cours de 40 minutes. Et ce cours-là, ça a été comme arracher un pansement. D'accord. J'ai arraché le pansement, j'étais extrêmement stressée, je me sentais pas du tout sûre de moi et j'ai tendance à me reposer un petit peu sur mes acquis de comédienne, entre guillemets, quand je suis stressée, à faire beaucoup de blagues, à faire le show. Et à me cacher derrière ça. Et en fait, là, à ce moment-là, j'ai pas pu. Parce qu'en plus, vous étiez toutes là, on était plein, je vous aimais toutes, vous étiez toutes mes copines, et il fallait que je vous guide à l'intérieur de ce cours. Et en fait, je pense que c'est moi qui ai pris la plus grosse leçon, quoi, ce jour-là, parce que je me suis sentie bien. Je me suis sentie à ma place et j'avais vos regards sur moi et c'était vraiment incroyable. Ça m'a transportée. On a rigolé, on a transpiré, on a pleuré et c'était vraiment magique. Et je pense que je me souviendrai de ça toute ma vie. Ah, c'est fabuleux, c'est super beau. Ça fait plaisir de l'apprendre, bah, du coup, quasi un an après au final. Ouais. Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de te reformer derrière, de voir d'autres choses ou est-ce que tu as été formée tout simplement par, entre guillemets, bah, l'expérience, quoi, le métier qui rentre. Ouais, je me suis consacrée à l'expérience cette année. Vraiment, j'ai appris sur le tas.
tout sur le tas. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup, je me suis un peu formée toute seule, comme à mon habitude. Mais là, je ressens vraiment le besoin de re-suivre une formation guidée par des professeurs plus qualifiés que moi, avec beaucoup d'expérience. J'ai envie de ça, en fait. Donc, et je pense que ma prochaine formation, ce sera certainement quelque chose de plus doux, comme du yin, du restauratif. J'ai vraiment envie de m'orienter vers ça en ce moment. D'accord, c'est ce qui te fait du bien. Ouais. Est-ce que toi, sur YouTube, tu as des nouveaux projets, des choses qui devraient arriver prochainement? Est-ce que ta folie créatrice est toujours là, en train de courir en toujours, toi? Ça cavale toujours. Bah oui, alors prochainement, sur la chaîne YouTube, je pense qu'il y aura, comme l'année dernière, comme ce avec quoi j'ai démarré, un petit challenge du début de l'année. Donc si on écoute ce podcast maintenant, on est déjà en plein de challenge. Donc voilà, c'est super, profitez, amusez-vous. Et j'aimerais bien mettre en place des vidéos un petit peu plus longues, voilà, peut-être avec un financement participatif, je sais pas, pour essayer de créer une communauté encore plus soudée et encore plus complète. Donc voilà, ça se précise. Ça se précise. C'est excitant, j'ai hâte, et puis on verra bien ce que ça donne. Ça te prend combien de temps de créer ta vidéo YouTube, de la monter? Tout le processus, ça te prend combien de temps à peu près? Moi, j'ai la chance de bénéficier de l'aide de mon amoureux qui est dans le cinéma. Donc, il m'aide pas mal, il me prête son matériel et puis il me guide dans le montage parce que sinon, j'aurais pas été capable. Enfin, j'aurais pris beaucoup plus de temps toute seule. Mais tu aurais été capable. Oui, oui. Je me serais donné les moyens. Voilà. Mais mais ça m'aurait pris beaucoup plus de temps. Donc, j'ai son aide qui est très précieuse et je le remercie pour ça. D'ailleurs, j'en profite. Mais sinon, en fait, je calcule pas vraiment le temps que ça me prend parce que les vidéos, je les tourne à la fin de la semaine pour la semaine suivante. Je les fais toujours en simultané pour la semaine suivante. Je trouve ça important parce que je m'imprègne de ce que j'ai vécu dans la semaine et je rends ce dont j'ai eu besoin dans la semaine. D'accord. Et je me dis que, comme on est tous un peu interconnectés quelque part, si moi j'en avais besoin, quelqu'un en aura forcément eu besoin aussi. C'est pour ça que les thèmes sont hyper variés. J'essaye de les faire spontanément, de les rendre spontanés. Et le montage et le filmage, ça me prend plusieurs heures, le temps d'installer et puis de rater, recommencer et couper, recommencer, enfin voilà. Ouais, il y a toute une préparation. Ouais. Même les cours, tu les écris juste avant ou il y a quelque chose de très intuitif et tu les livres comme ça devant la caméra J'essaie de les écrire un petit peu à l'avant parce que sinon, effectivement, je bafouille beaucoup. Et ça, la caméra, c'est pas terrible, quoi. Ça rend pas super bien. C'est bien d'avoir quelque chose d'un peu clair, un peu clean. D'un peu pro, ouais. Voilà. Donc, je les écris un petit peu à l'avant, mais c'est vrai qu'ils sont imprégnés de mon expérience de la semaine. Donc, parfois, il y a pas mal d'impro aussi. Ouais, mais ça, je pense qu'on est tous plus ou moins concernés par l'improvisation en plein cours et ça reste une de nos forces, en fait, quand on est prof de yoga, je pense. De savoir, distiller un petit peu d'impro et surtout par rapport aux élèves qu'on a en face de nous. Hein. Ouais, parce qu'on peut pas prévoir la réaction qu'on a en face, donc même si on a préparé un cours, selon la réponse des élèves, ça peut changer du tout au tout en plein milieu de l'heure. Donc ouais. Alors sur YouTube c'est différent parce qu'on n'a pas le public en face, donc on sait après coup si ça a plu ou pas. Mais j'essaie de rendre ça comme un cours en réel, quoi. J'ai vraiment envie que les gens se disent je suis en cours avec une copine et puis on s'entraide, quoi. Ou plutôt un esprit de camaraderie. Ouais, je suis pas là pour faire le gourou du tout, je serai jamais. Mais voilà, je suis dans mon salon avec ma bonne copine de YouTube, elle me fait des blagues et puis en même temps voilà, on bouge un petit peu et puis on respire et on s'accorde du temps pour soi. L'idée pour toi, c'est vraiment de rendre le yoga comme oui, un moment plaisant, mais au-delà de ça, quelque chose de ludique et pas forcément ce truc hyper sérieux, hyper rigoureux, pardon, où tu vas avoir ton home en début de cours, les home shanti, shanti, shanti à la fin. Il y a quelque chose comme ça que tu veux faire exploser. Mais je pense que c'est la plateforme qui impose ça de toute façon, parce que je trouverais pas ça forcément logique de donner un cours très rigoureux, très construit sur une tradition via Internet. Je pense que Internet c'est quelque chose qui se consomme vite et qui va vite, qui change tout le temps. C'est pour ça que j'ai ce besoin de rendre le cours spontané, ludique et sympa, et aussi parce que j'ai envie de toucher un grand nombre de personnes
Et que s'il y a trop de Om Shanti et trop de noms de postures en sanskrit, j'ai peur que ça rebute. Je préfère distiller ça au compte-gouttes petit à petit, initier et puis en s'amusant surtout, c'est important, je trouve. Tu le ressens parmi tes élèves que le Om Shanti ou n'importe quel mantra, n'importe quel bol tibétain que tu amènes en cours peut effrayer des gens? Bah ouais, là les cours que je donne actuellement, notamment ici chez Épisode, c'est vrai que c'est un public très très urbain et ça peut effrayer. Quand je parle trop en sanskrit, je sens que je perds des gens parfois et je sens que ça leur fait peur. Donc voilà, j'y vais vraiment doucement. Pourtant c'est des choses que j'adore, mais je pense que ça prend du temps à. Faut que ça fasse son chemin à l'intérieur des gens. Moi, je me rappelle au tout début de mes initiations au yoga, quand j'entendais chanter des mantras en sanskrit, j'étais un petit peu heurtée dans ma sensibilité. Je me disais, mais moi, je suis athée, moi, j'ai pas besoin de croire en quelque chose, j'ai pas besoin de chanter, nan, nan, nan. Et puis en fait, j'ai compris après, ça s'est débloqué après, que c'était pour moi aussi, et que c'était pas une question d'appartenance ou de politique ou quoi que ce soit. Donc, Et t'arrives à le transmettre, ça, ce que tu viens de m'expliquer, est-ce que t'arrives à désamorcer ça chez tes élèves? Moi, j'ai déjà eu une élève qui est rentrée dans mon cours qui m'a dit, bon, je viens à votre cours, mais pour moi, le yoga, c'est une secte, quoi. Donc, c'est Ça met dans l'ambiance. voilà, ça te met une bombe comme ça dans ton cours, et tu sais pas quand ça va exploser finalement, parce que t'as déjà eu un petit aperçu, la mèche est en train de flamber, mais quand est-ce que ça explose, tu ne sais pas. Est-ce que toi, tu t'es déjà retrouvée vraiment face à des cas? Bon, ça, c'est un cas extrême, mais comment tu désamorces en fait ça quand tu le retrouves chez les gens? Est-ce que tout simplement tu le tais ou... Moi, j'ai pas envie de le taire parce que ça fait partie du yoga. Donc, c'est quand même un art ancestral, traditionnel. Enfin, voilà, on peut pas non plus ignorer totalement cette partie-là. J'essaye d'ouvrir des esprits. J'essaye de dire, bah écoute, assieds-toi, respire, et puis tu verras comment ça se passe. Voilà. Et puis on en reparle à la fin du cours. Je sais que les gens aiment bien partager aussi, et moi aussi, j'adore. Donc, on en reparle, on en discute, on voit ce qui a gêné, ce qui a heurté, ce qui a plu. Et j'adapte en fonction de ça, mais voilà, je trouve ça important de pas se fermer des portes et d'encourager les élèves à faire de même quand ils viennent prendre un cours de yoga. D'être curieux, en fait, tout Ouais, simplement, voilà. ouvrir à cette curiosité-là. Justement, là, c'est tout le dilemme entre donner ce qui est authentique dans le yoga et donner du yoga dans une salle de sport. Parce que là, on est quand même dans une salle, comme tu disais, très urbaine. Moi-même, je donne des cours, voilà, chez des grandes enseignes de salles de sport. Et pourtant, bah, c'est pas forcément chez ces gens-là qu'on va avoir le plus de blocage. Des fois, Ah non, c'est assez perturbant, c'est c'est assez vrai. marrant. Et je connais j'ai vu des profs en tout cas qui y allaient à fond. Moi, ça m'a fait du bien, mais je me suis dit, c'est une position que chacun doit trouver. Est-ce qu'on est bien avec ça ou est-ce qu'au contraire, on a envie d'y aller en douceur et d'accompagner les gens? Bon, comme tu dis, c'est très personnel au prof aussi et à ce qu'il a envie de transmettre et comment. Et par rapport à comment on se sent, nous, Par rapport à ça. par rapport à ça. Ouais. C'est vrai que moi je suis pas non plus hyper à l'aise avec le fait de chanter au public. Et mine de rien, chanter un om, c'est chanter, c'est ouvrir énormément. Et même si j'ai le sentiment que je donne beaucoup pendant mes cours, ça c'est quelque chose qui est difficile pour moi aussi. Donc c'est un facteur, mine de rien, du fait que je me réfrène aussi sur les Sur les chants. chants, voilà. C'est plus difficile, effectivement. On livre beaucoup de soi quand on chante. Est-ce que, par exemple, ouais, j'avais cette question. Est-ce que toi, tu ne donnes cours que dans des salles, des cours collectifs, ou est-ce que tu as aussi quelques personnes en cours particulier? Alors, c'est des cours particuliers forcés que j'ai, parce que parfois, il y a des cours où une seule personne se présente. Et donc, du coup, ça change tout. Ça change la façon dont le cours est mené. Parce que s'il n'y a qu'une personne, on peut s'adapter à 100% à cette personne. J'ai eu un cours la semaine dernière très très intéressant avec une jeune fille qui fait du roller derby. Donc c'est une espèce de sport de combat sur des rollers entre filles qui se donnent des coups comme ça. Et C'est ah, extraordinaire. c'était vraiment génial. Et du coup, elle avait besoin, elle, de ralentir un peu le rythme et de aussi d'étirer son corps parce que c'est assez intense musculairement. Et du coup, c'était pas du tout. Enfin, moi, je donne pas de cours particuliers, sinon
en général, et c'était un cours particulier forcé, entre guillemets, et en fait, j'ai énormément appris de cette jeune femme-là. C'était son tout premier cours de yoga de toute sa vie, et c'était super, c'était trop bien. On a vraiment pris le temps d'explorer les postures, de les comprendre, et on a beaucoup discuté, et c'était une super expérience. Et ça, du coup, ça t'a donné envie d'aller peut-être un peu plus vers des cours particuliers, ou dans l'accompagnement de grands débutants, et un accompagnement vraiment, vraiment à 100%, comme tu le dis. Ouais, vraiment, l'accompagnement des grands débutants, ouais. Après, le cours particulier, c'est quelque chose qui me... Je sais pas, ça m'intimide énormément, de par cette sensation de pas être légitime à 100%. Je me dis, est-ce que moi, je peux vraiment débarquer chez les gens avec mes tapis sous bras et leur dire, bon, maintenant vous allez faire du yoga, et est-ce que je suis vraiment capable de leur transmettre tout ce dont ils ont besoin en cours particulier? Je sais pas. J'aime aussi bien l'énergie de groupe, c'est quelque chose qui est très porteur. Donc, à voir, à explorer. À explorer, ok. C'est une prochaine option dans tes projets, mais je pense que ça va se faire dans pas longtemps que tu vas avoir le déclic, parce que... Comment être légitime, ça c'est pareil, c'est un truc qui m'a traversé plein de fois. Mmh. Et en fait, il faut pas attendre que les autres te disent « c'est bon, t'es super prof, tu peux y aller ». Parce que ça vient de soi en fait, ça vient de la confiance qu'on a en soi. Et tant que sur ton tapis ou même ailleurs, tu t'es pas dit « bah là j'ai compris pourquoi j'y arrivais pas et j'ai compris pourquoi je me sentais pas légitime », bah en fait effectivement là-haut ça va continuer à tourner, et c'est un chemin que chacun... doit prendre au fur et à mesure. C'est ça que c'est une question que j'aime bien poser et qui me ramène, même chose, à mes propres soucis de légitimité. On apprend tout le temps. On apprend tout le temps, et dans ce milieu, c'est vrai qu'on parle beaucoup de... Dans les podcasts, on va beaucoup parler de Paris parce que, bah, excusez-moi, mais je suis basée sur Paris, j'habite sur Paris. Et donc voilà, mes invités aussi habitent sur Paris, et c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous de nous retrouver. Et de fait, on connaît beaucoup ce milieu-là avec les contraintes qui sont des contraintes de rémunération, qui sont pas souvent celles qu'on croit, de studios qui sont surtout sur l'appât du yoga, qui vend, etc. Toi, t'as déjà eu des expériences comme ça de... Voilà, c'est difficile aujourd'hui de recentrer le yoga sur ce que c'est un moment pour soi. Je sais pas si toi, tu ressens ça, et encore, peut-être qu'il y a une petite amélioration là maintenant. Je sens qu'il y a un désir de faire comme ça, à Paris, en tout cas, parce que je sais pas du tout comment ça peut se passer dans d'autres villes, je pense que c'est différent. Mais je sens qu'il y a un désir de revenir à l'essence même du yoga, mais voilà, j'ai eu moi, plusieurs expériences où on m'a demandé de faire du rendement. On a privilégié voilà mon nombre de followers sur Instagram à mon expérience ou à mon parcours. À qui tu étais, en fait, ça c'est fou. Voilà, c'est ça. C'est juste fou. C'est fou. Parce que Instagram, au final, c'est... Bah, c'est que des images, c'est un instant pris. Et on se rend compte, quand on est entre professeurs, que déjà, c'est très rare le nombre de professeurs qui, sur Instagram, vous disent quand ça va pas, vous disent quand telle image, elle a été prise en fraction de seconde, parce que la posture n'a été prise qu'une fraction de seconde. Même chose, beaucoup de gens vont dire ouais c'était extraordinaire ce cours, bon il y avait deux personnes, t'es dégoûté parce que t'as pas pu transmettre à autant de personnes que tu le voulais quoi. Donc toi tu le sens beaucoup cette différence entre ce qui est affiché sur les réseaux, et ça je pense que c'est international, et la réalité. Ah bah oui. Surtout sur Instagram, c'est vraiment la plateforme des yogis, hein, entre guillemets. C'est plateforme du bonheur. Voilà, des plateformes du bonheur. Et on voit de tout, et on voit des choses qui sont hyper belles aussi, et qui sont très inspirantes. Et il y a aussi des choses qui, moi, parfois, me font sentir comme un caca, quoi. Parce que je me dis, ben, moi, je peux pas faire cette pose, moi, je suis pas mince, moi, je suis pas sponsorisée par des marques qui m'offrent des fringues hyper chères. Et parfois, je me surprends à être un petit peu amère à ce propos-là. Et en fait, je m'efforce de moi poster des photos où j'explique que c'est en cours de progression, où je raconte un peu mes erreurs, mes doutes, où j'essaie vraiment d'être la plus sincère possible. Et je me rends compte que les réponses que j'ai, elles sont tellement authentiques aussi que c'est ça qui vaut le coup, quoi.
que même si parfois je me surprends à faire une belle photo, à la poster en mode ouais, aujourd'hui, trop bien, machin. Et bah, au final, par rapport aux réponses que j'ai sous les posts où voilà, je raconte, bah aujourd'hui c'est la merde, j'ai visité un appart, l'agent immobilier m'a planté, je suis déprimée juste sous la pluie, en plus je me sens en gros c'est moche. Enfin, où je suis sincère, même dans les posts qui racontent des moments de joie, là où on est sincère, les réponses qu'on reçoit, c'est ça que j'ai envie de construire, ce genre de communauté-là que j'ai envie de rassembler, et c'est ça qui vaut le coup. Donc ça fait croire un petit peu plus en l'humanité à ce Un petit moment-là, peu, oui. et croire un peu plus en les réseaux sociaux et en leur utilité aussi, puisque je trouve que c'est un super outil, mine de Il y a rien. cette chose aussi, moi j'avais regardé sur Facebook, on a un groupe entre professeurs de yoga, je crois qu'on est 2000, c'est Claudia Martin qui avait mis ça en place. Et donc c'est un groupe qui marche beaucoup, et de fait, il y a eu cette question sur les réseaux sociaux. C'était quelque chose comme, est-ce que vous pensez que c'est entre guillemets obligatoire? Pourquoi le faire? Est-ce qu'il y a un problème d'ego quand on se met en scène ou quand on se met tout simplement sur les réseaux en faisant du yoga? Et aussi quelle image du yoga on transmet? Donc ça, on y a répondu un petit peu, mais est-ce que justement toi, il y a quelque chose aussi par rapport à à s'exposer comme ça sur les réseaux? Est-ce que ça a été le fruit d'une réflexion aussi et de savoir quelle photo tu souhaites mettre, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte là-dessus. Moi, je suis enfin, comme on peut le deviner et comme tu le sais, je suis pas quelqu'un d'extrêmement rigoureux. Je suis pas quelqu'un de très réfléchi. Donc je fonce un peu. Donc moi, en plus j'aime bien la technologie, j'aime bien les gadgets, trucs comme ça. Donc moi j'ai foncé, hein, j'ai pas réfléchi. Vas-y, Instagram, c'est parti. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un business aussi Instagram, qu'il fallait travailler ses photos, qu'il fallait travailler la régularité de ses posts, qu'il fallait travailler ses C'est hashtags. vrai, c'est Voilà. fou, c'est vrai. Ouais. Et en fait, moi, à la base, une photo, c'était des trucs hyper moches. Enfin voilà, trop spontané. Et donc j'ai été obligée d'y réfléchir. J'ai été un peu forcée parce que je me suis rendu compte qu'Instagram, c'est un outil hyper pratique en tant que prof de yoga parisien pour se faire connaître. Et parce que mine de rien, pour travailler, il faut se faire connaître un petit peu. Et donc ça a été le fruit d'une réflexion parce que je voulais vraiment que mon compte me ressemble et ressemble à la classe sauvage et soit pas trop formel et soit pas trop 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 dans les cadres, trop dans les clous, voilà. quoi. Et cela pète pas trop non plus. C'est important pour moi que ça soit pas trop prétentieux et trop prout, parce que ça peut être le cas. Voilà. Donc ouais, ça a été le fruit d'une réflexion et se mettre en scène, c'est très difficile pour moi. Et Voilà. pourtant, c'est ce que tu fais avec tes vidéos, c'est ça. Et Tu es pourtant, c'est pleine ce de que je fais. paradoxes. Oui, non, mais moi, c'est Paradox Land. Ouais, non, c'est difficile. C'est une épreuve, c'est quelque chose que j'aime faire, mais que j'ai du mal à me mettre en fait. Une fois que je suis D'accord. dedans, ça va, mais le fait de se dire bon bah là, il va falloir s'habiller, il va falloir que quelqu'un te prenne en photo ou machin, je suis pas à l'aise avec mon corps, j'ai l'impression que je sais à rien, que je suis moche, enfin, voilà, je me regarde beaucoup en fait. C'est ça. C'est ça. Il y a beaucoup de. Parce que je le fais aussi. Moi, j'ai des photos sur Instagram. Ce Qui sont très belles sont. d'ailleurs, Ben, ce c'est sont que des photoshoots. Je ne poste quasi que des photoshoots. Et sinon, les autres, ça va être des trucs pris, voilà, entre deux ou avec mes élèves. Ou des choses que je trouve belles et que j'ai envie de partager. Mais sinon, les photos de posture de yoga, ce sont que des photoshoots. Et je trouve que, en t'écoutant, ça me révèle aussi que. Bah moi aussi j'ai un souci et des fois quand je regarde mes photos je me dis ah, je peux pas mettre celle-là parce que ça fait trop nana qui se la pète ou voilà et en fait on est encore quelque part quand on a Instagram on est dans le contrôle et donc Ouais. lâcher complètement ça c'est encore une étape en tout cas pour moi à franchir lâcher être capable de mettre une photo qui ressemble à rien et qui est juste drôle et qui est sympa parce que je suis en train en plein photoshoot de me casser la figure tu vois j'adorerais faire ça. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi j'ai un blocage intérieur qui fait attention, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, quoi. Ouais. Et la manière dont on se présente au monde, bah, c'est encore très très important pour moi. Alors je pense que c'est lié à des éducations, à des choses comme Oui, ça, hein. c'est sûr. Et du coup, même Instagram, en fait, ça devient un outil de réflexion autour du yoga, de son image, de ce qu'on veut diffuser. Même juste poster une photo où t'as un petit pli de peau, on dirait un bourrelet, ou un Oui, c'est double fou. menton, voilà, c'est vrai que ça passe à la trappe. Enfin, c'est hyper difficile de. Comme on se met en scène, c'est hyper difficile de se dire, bah, je me mets en scène.
en étant fidèle à ce que je suis dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire parfois j'ai un gros bouton sur le front et voilà, c'est pas grave. C'est ça, et ça c'est difficile de l'accepter. Ouais, ouais. C'est hyper difficile, et moi je pense aussi du coup en discutant, parce que le podcast s'adresse pas simplement à des professeurs, s'adresse aussi à des élèves tout simplement. Ouais. Et je pense aux élèves qui sont pareil, en train de se faire des, entre guillemets, des idées, ouais, sur ce que nous on est parfois, parce que nous-mêmes, comme on est aussi dans le contrôle, parfois, bah, j'imagine qu'elles se font parfois des idées sur ce que sont nos cours ou sur qui on est. Et pour les comptes encore plus élevés avec des milliers de followers, j'imagine même pas. Mmh. Mais du coup, cette comparaison et cet effet de je peux pas faire le cours parce que je suis pas assez souple, je peux pas faire du yoga, mais t'as vu cette nana, elle a un corps de dingue. Il y a quand même ça qui rentre beaucoup en jeu et qui doit effrayer. Ouais. Et donc, c'est vrai que moi, j'avais choisi le format du podcast parce que je me disais, bah, par la voix, déjà, je pense qu'on effraie personne, qu'on transmet des choses très puissantes et très vraies entre nous, comme un dialogue. Là, c'est un bonheur de pouvoir parler avec toi. On peut pas mentir, là. Voilà, on peut pas mentir. Je pense qu'on peut pas, et nos réactions nous trahissent, nos silences nous trahissent, en fait. Ouais. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais choisi ce format-là, pour que les gens découvrent le yoga sous autre chose que l'image à laquelle on a envie de se confronter, en fait, tout simplement. Mais c'est une super initiative, j'adore. Je suis très heureuse. Je plus sois. Tu plus sois. Merci beaucoup, Anna. Merci beaucoup, Anna. Merci d'avoir pris le temps. L'interview a duré un petit moment. Donc voilà, merci pour tout. N'hésite pas à faire des coupes. Je vais couper. Merci beaucoup, merci. Merci pour beaucoup. Tout. Et puis à une prochaine fois. Avec grand plaisir. Namasté. Namasté. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de Paroles de Yogi. Vous trouverez le prochain sur la chaîne YouTube et sur iTunes dans 2 semaines. En attendant, n'hésitez pas à partager le podcast ou à en parler autour de vous si ça vous plaît. Je cherche également mes prochains invités. Si vous avez envie de participer à l'émission, envoyez-moi un petit mail de candidature sur asaniyoga@gmail.com et nous pourrons peut-être organiser une interview. Merci encore pour l'ensemble de vos remarques constructives et vos commentaires. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.